L'université d'Abomey-Calavi, Startup Valley, contribue à l'éclosion des jeunes entrepreneurs dans les universités publiques ou privées du Bénin. Face à la problématique du chômage structurel et endémique des jeunes, l'UIAC apporte un coup de pouce aux jeunes diplômés par le biais du Centre d'incubation de jeunes entreprises innovantes. Mis en place depuis janvier 2015, ce centre d'incubation accueille chaque année une centaine de diplômés répartis en 20 groupes. Ces jeunes entrepreneurs sont soumis à des épreuves et ateliers qui leur permettent de s'approprier leur projet. Nous sommes constitués en groupe et nous avons postulé pour l'opportunité. Alors, suite à cela, nous avons été présenter notre projet devant un panel de jury qui nous a retenus, n'est-ce pas, comme le premier groupe parmi les 40 idées d'entreprise qui ont été retenues. Ça nous a permis de croire en nous d'abord, que ce que nous avons comme projet peut porter. Nous visons encore plus gros sur le territoire béninois et même ailleurs, dans les pays sahéliens, il y a l'anémie qui bat son plein. Des milliers d'enfants, des milliers de femmes enceintes meurent chaque année pour ça. Donc c'est le but visé, c'est notre objectif pour guérir l'anémie. C'est pourquoi nous avons conçu ce produit pour le faire sortir, pour soulager un tant soit peu nos mamans et nos enfants. Accompagner et encadrer les diplômés dans la création et le développement d'entreprises durables qui génèrent des emplois décents, contribuer à la réduction du chômage, diffuser la culture entrepreneuriale dans la communauté universitaire, telles sont les missions que les autorités ont assignées à l'UIAC Startup Valley. Le centre d'incubation des entreprises innovantes valorise des idées d'entreprises des jeunes diplômés dans les domaines de l'agrobusiness, des technologies industrielles et des services à haute valeur ajoutée. Nous sommes convaincus que la seule manière pour résoudre le problème du chômage, c'est de faire créer des entreprises qui traversent la période de turbulence qui est de 3 ans. Parce que vous savez que le taux de mortalité des entreprises en Afrique francophone noire est très élevé. Donc l'incubateur, avec ce processus d'incubation sur 4 ans, permet aux startups de traverser la période de turbulence pour ne pas mourir et se développer pour être des entreprises durables qui durent dans le temps. Les autorités du centre d'incubation des entreprises innovantes entendent contribuer à la maîtrise du taux de chômage des diplômés de l'UIAC en dessous de 20% à l'horizon 2025. Aussi, envisage-t-elle d'encadrer les jeunes diplômés afin qu'ils créent au moins 30 entreprises innovantes par an pour générer au moins 1 000 emplois directs et 5 000 emplois indirects d'ici 15 ans.